Malgré la pluie sur Conakry, les élèves ont repris le chemin de l'école ce mercredi 25 septembre 2024. Les cadres du MIPUA sillonnent quelques établissements scolaires dans les différentes communes de la capitale pour constater la reprise effective des cours. Depuis que le ministre a annoncé l'ouverture des classes pour le 25 septembre, eh bien nous ici on a pris toutes les dispositions pour pouvoir démarrer aujourd'hui et en vue de mettre nos documents pédagogiques à jour. Parce que l'ouverture commence le 25 et je crois le bac, c'est le 25 que ça commence. Donc ça se prépare dès le début. Et donc c'est pourquoi c'est ce qui nous a d'ailleurs motivé davantage de commencer maintenant. Déjà, au ministère de l'enseignement préuniversitaire, toutes les dispositions nécessaires étaient prises avec la fourniture des intrants et des matériels didactiques pour toutes les écoles publiques du pays. Je suis venu aujourd'hui à l'école parce que j'ai la détermination de réussir à décrocher mon baccalauréat 2025. Parce que si on reste à la maison, on rate beaucoup de choses. Et ce n'est pas le moment de perdre les choses. C'est maintenant qu'on prépare les examens, c'est maintenant qu'on prépare l'échec, c'est maintenant qu'on prépare la réussite. Mais je sais aujourd'hui que la pluie a beaucoup joué en notre défaveur. Donc d'ici demain, vraiment, les parents, les enfants vont répondre massivement et vous allez voir la différence. Une rentrée timide est constatée par endroits, mais la rigueur et le sérieux devront caractériser cette nouvelle année. Nous avons donné des instructions partout. Même si c'est un seul élève, il faut démarrer les cours. C'est une instruction qui est donnée et chaque acteur doit jouer son rôle pour assurer une bonne rentrée scolaire 2024-2025. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, les cours ont démarré sur l'ensemble du territoire selon le cadre du MIPUA. Les élèves et les encadreurs pédagogiques sont invités à plus de responsabilités pour réussir cette année scolaire 2024-2025.